Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaeldan pour les Jeux du Cygne. On retrouve une partie de Terra Invicta avec la faction de l'Initiative qui cherche à profiter de l'arrivée des aliens dans le système solaire. Juste un petit point de vue sur ce à quoi ressemble le système solaire un peu en grand. Même si on l'a déjà vu, hein, les proportions, c'est, sont pas correctes. Bien entendu, parce que sinon il y aura plein de choses qu'on verrait pas du tout. La ceinture d'astéroïdes avec des gros astéroïdes et des petites planètes partout. Mais ça permet aussi de se rendre compte un peu de comment les aliens sont développés. On voit hein, que ils sont quand même bien ancrés dans une certaine zone. Ça c'est leur vaisseau. Hein. On imagine que la planète, je sais pas ce que c'est qu'une planète naine de la ceinture de Kuiper. Manifestement, ils sont bien installés autour de ça. Et bah, c'est quand même loin de la Terre. Hein. Ils sont aussi installés autour de Neptune. Ils sont. Voilà. Non, si, enfin, ils ont quand même beaucoup de bases, de toute façon. Autour de Saturne, on les trouve autour d'Uranus. Voilà, autant dire que pour tout nettoyer, eh ben ça va pas être facile. Et de toute façon, on en est très très loin. On est en 2026. Faut pas s'attendre à ce que on puisse nettoyer les choses trop rapidement. Allez, et on est reparti donc. On a notre cinquième point en Chine. J'espère pouvoir rapidement choper le sixième. Ça nous donnera de quoi faire. Et bien-être, je vais peut-être quand même mettre un peu de points dans le bien-être, histoire de diminuer un peu les inégalités. Sur le militaire, de toute façon, ce sera quand même principalement les États-Unis qui me serviront au niveau militaire. Faut pas se leurrer. Pour le reste, je m'en cogne un peu. Mais ouais, on va essayer quand même de diminuer un tout petit peu les inégalités, histoire que ça soit pas trop trop chaud dans le pays. J'arrive à une valeur de cohésion proche de 5, ce qui est bien. C'est ce qui est recherché. Donc, normalement, ça devrait permettre d'augmenter plus rapidement, je pense, hein, la valeur du gouvernement. Et d'accélérer le processus de démocratisation de la Chine. Standing by for orders. Or, qu'est-ce que tu vas nous faire, toi? Toi, je sais jamais trop quoi faire avec toi, c'est un peu chiant. Ce serait bien si je trouvais des organisations qui te permettent d'accéder à d'autres types de missions. Mais comme des trucs, si tu pouvais avoir de la. T'as combien d'investigations? T'as 4. Pour avoir. Parce que t'as de la répression, mais ce serait bien en fait si j'arrivais à lui faire faire de l'espionnage, enfin de l'investigation. Prise de contrôle hostile, tu sais déjà faire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Pas grand-chose. C'est quand même souvent les mêmes missions qu'on va retrouver en fait. Hein. C'est soit des missions à but offensive, on va dire anti-extraterrestre pour tout ce qui est gouvernement ou criminel. On va trouver beaucoup de trucs de la forme. Désolé, j'ai été interrompu par un coup de fil. Donc, je disais, je sais plus quoi, oui, que voilà, en gros, c'est vrai qu'on retrouvait beaucoup de missions supplémentaires qui étaient souvent les mêmes. Hein, vous voyez, assassinat, augmentation de l'agitation, sabotage industriel, enfin, sabotage d'installation, en particulier pour tout ce qui était
les organisations criminelles ou les organisations gouvernementales. Et les autres, bah, elles sont plus rares déjà. La prise de contrôle aussi, on la trouve pas mal, assez régulièrement. Donc, bah, c'est vrai que la Miss Ita, que vous pouvez toujours renommer si vous le souhaitez, bah, je sais pas trop quoi faire avec elle. C'est un peu chiant. Un point d'anime en plus. Bah déjà, je vais la faire se planquer parce qu'elle est un peu trop Going repérée. into hiding. Ready. Dashus, lui, Acknowledged. il nettoie Going in hot. Your pour orders. empêcher les Standing aliens by. de trop s'installer quand même. Où est-ce qu'il est du coup? Où est-ce qu'il Ready va to go. nettoyer? En Europe? C'est en Europe qu'on a. France. Lyon se fait attaquer. Mon Dieu. Alors, c'est Ready for my Tron mission. Carnivore. Bah, tu vas enquêter sur les conseillers. Tu vas aller me chercher. Je n'aime pas trop ceux qui me baladent en Investigating target. Chine. Hop. Ready to go. Et Adriel. C'est bon, j'ai consolidé mon cinquième point. Adriel, qu'est-ce que sur quoi je vais te lancer? Bon, tu vas repartir en Russie, aller emmerder la résistance, et même I si à will mon avis try to sway the bubbling. ça les emmerde pas plus que ça. Hop, on a nos centres de recherche autour de la Terre qui commencent à être un tout petit peu développés. Au niveau science, ça va. Qu'est-ce qui est en train de me rattraper? Le projet Exodus qui est en train de me rattraper ici. Là, ça devrait le faire sans trop de difficultés. Et ici, pour l'instant, ça va. Je vais rajouter un peu sur le projet Exodus. Hop, allez. Offering counsel. Surveillance complete. Alors, qui travaille pour qui? Les serviteurs. Cleaning things up. Qu'est-ce que... Ah, c'est toujours lui, putain, c'est toujours lui que je trouve. Leyba Hippodromique. Ok. Alors, je vais prendre le propulseur Nerva, j'en ai besoin parce que ça me permet d'aller vers le propulseur Pulsar. Public opinion is moving in our direction. Target destroyed. Bon, ça m'arrange parce que le protectorat s'est un peu calmé sur l'Europe. Il n'a pas trop accès aux autres pays en fait. En Europe, il aura accès tôt ou tard, je pense, au Royaume-Uni. Ouais, à mon avis, il arrivera un jour ou l'autre, il va arriver à bouter l'Académie hors de Grande-Bretagne. Pour les autres pays, il y a beaucoup de l'humanité. Le protectorat ne peut pas encore faire une Union européenne trop forte. C'est une bonne chose. Moi, je suis plus. Ouais, donc je vais pas trop aller chercher encore mon sixième point. Bon, toi, du coup, tu m'intéresses moins parce que je commence à te connaître. Eyes on target. Tu vas aller Your orders? espionner d'autres gens, toi aussi. Qu'est-ce que je peux aller choper? Hop.
Noir. No secret is safe from me. Where to? Toi, t'as quoi? Rien, j'imagine. Ouais, t'avais pas grand chose la fois précédente. De mémoire. Je récupérerai tôt ou tard la Corée du Nord, je pense. On va commencer à les faire un peu plus là-bas. I will help them. Ah, nous sommes maintenant capables de prendre en charge pour l'opération extraterrestre. Ça, c'est très bien. Détection de toutes les opérations extraterrestres. Voilà. Les rapports de nos services. Donc ça, c'est à mettre en favori. I have new information. Protectorat. Alors, on va continuer. Let's see what the eggheads can do with this. Acteur à finition, hacker solide, go. Ça c'est très bien, mais bon, c'est pas. Dans l'immédiat, c'est pas indispensable. Public sentiment is increasingly with us. Je vais plutôt aller en Corée du Nord. Our cause is unjustified to them. The cat is in the box. Oh, abusé, putain. Il me prend en dernière seconde. Recherche spéciale spécialisée. Je ne sais pas trop ce que ça apporte. The box does not exist. The box is a cat. You are the cat. Superior Judith Howe. The truth. Le chat est dans la boîte, le chat est vivant, le chat est mort, le chat n'est pas dans la boîte, tous les chats jamais nés sont dans la boîte. La boîte n'existe pas, la boîte est un chat, vous êtes le chat. Oui. Ils ont très bien fumé. Bon, c'est un peu abusé ça. Alors... Nouvelles organisations, conseiller, est-ce que t'as trouvé vraiment conseiller toi? Bah t'as beaucoup en administration, oh t'es pas trop mal, on va peut-être conseiller toi. Je l'ai pas conseillé, bah si je l'ai déjà en plus. En fait je pourrais faire ça, c'est vrai qu'elle a des stats qui sont correctes. Ah campagne publique. Mais non, je l'ai déjà campagne publique. Je suis bête. Ce que je voulais éventuellement, c'était... Ouh, il est bien celui-là. Il est bien celui-ci. La Navy Seals. Bon, c'est pareil, pour un 3 étoiles, c'est pas ouf. Hein. On pourrait s'attendre à ce que les Navy Seals y fassent mieux que ça. De contrôle hostile. Hop. Alors, il m'intéresse. Il y a celui-ci, du boost et du contrôle de mission. C'est plutôt chouette. Attends, déjà, là, toi, je peux augmenter ton admin. Du coup, j'ai un point de là de libérer. Aussi un point de rab. J'ai eu un guide où il disait que jouer avec les organisations c'était comme faire jouer au Pokémon. J'ai trouvé l'image assez amusante. Tac, elle est là et tu vas me prendre celle-ci. Plus 3 points mensuels de... Ça fera passer de 87 à 83... Enfin, de 87 à 90. C'est pas... Ça change pas la vie.
Ça change pas la vie. Pour deux étoiles, c'est un peu cher. Plus 15, plus 5%, plus 12, plus 5%, des sous. Des sous. Et. Hop. Toi, plus de science. Ok. Alors, on a dit que toi, tu allais commencer à conseiller en Chine. Offering counsel. Ready for my mission. Dashus, hop, tu vas attaquer la cible extraterrestre. Gear up. Et I'm here. Toi, tu vas faire de la pub. On a dit en Corée. Citron, tu vas aller enquêter à Paris. We'll see what we can find. Et Dashus, en fait, tu vas plutôt aller surveiller les lieux. Là, qu'est-ce qu'on a vu? Des extraterrestres ont été aperçus. Donc, ça veut dire que j'ai deux inconnus ici. Tu vas aller surveiller ce qui se passe autour de Paris, des fois que tu arrives à voir un extraterrestre. Pas si je peux, ceci dit. Offering assistance. Sans guerre. Offering assistance. Hop, affectation permanente. Initiating recon. Hop. Alors, réacteur fission au cœur solide. Et on va chercher les opérations extraterrestres. The people will come to our side. Ça, je m'en fous. Yes, what we found. Ça, ça apporte quoi? Sondage charge cinétique. Ah, c'est les. Ok. Donc, c'est les labos niveau 2. Développe les labos niveau 2. Bon, j'ai rien trouvé. Zut, zut. Et du coup, ça s'est développé. Taking it to them. Where do you need me? Tu vas m'enquêter sur les gens qui sont ici. Et tant qu'à faire, celui qui est le plus difficile. Les aliens ont des stats assez dingues, donc généralement ceux qui sont support. Les plus difficiles be sont ceux. Allez, industrialisation de l'espace, très bien. Alors, je voulais aller chercher. Comment s'appelle-t-il là? Opération secrète, qu'est-ce qui me manque? Opération secrète, qu'est-ce qui me manque? Il me manque le chiffrement quantique. Le chiffrement quantique, 20 000. Autant dire que ce ne sera pas pour tout de suite. Bon, ici, il y a l'humanité qui a l'air de vouloir aller chercher. Ils sont combien? 500. Person of interest surveilled. Protectorat, ok. Ça, c'est un bon projet à choper. We're winning their hearts and minds. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut aller chercher la technologie de l'industrialisation de l'espace. Ça permet d'avoir moins d'emmerdes sur nos habitats en espace, dans l'espace. Le propulseur Minerva, très bien. Hop.
En plus, il est pas très cher, 2500. Score one for the good guys. Alors. Alors, les lois locales ont tendance à faire arrêter les enquêtes quand des personnes qui ont été enlevées reviennent. Et donc, il a été difficile pour nos opérateurs locaux de suivre les nombreuses rumeurs erratiques et aberrantes de comportements erratiques et aberrants chez les personnes qui sont réapparues. Ce qui est inquiétant, c'est que ces investigations et enquêtes. Oui, bon, tout ça corrobore, tous les rapports corroborent, en gros, c'est la merde. Il semblerait bien que l'objectif véritable des enlèvements par les aliens soit un peu plus qu'une simple recherche ou de l'expérimentation. Voilà, donc on en a un petit peu plus, on a un petit peu plus d'idées sur ce qui se passe. Et comment est-ce qu'on pourrait y résister. Donc ça permet de détecter toutes les opérations extraterrestres et ça nous permet de voir un certain nombre de choses en This plus. Appears to be some kind of hostile takeover effort on the part of the aliens. Voilà, donc nous avons fait une découverte et les nouvelles sont mauvaises. Les pays précédents ciblés par les enlèvements ont subi un glissement soudain et complet vers des vues pro-extraterrestres. Des personnalités clés de la sphère publique et privée ont disparu, ont été licenciées et des individus pro-extraterrestres ont pris leur place. Certains cas sont encore plus inquiétants. Ce sont ceux où les personnes ne sont pas remplacées, mais connaissent à la place ce que l'on peut décrire comme un changement total de personnalité. Des personnalités publiques qui militaient autrefois pour le nationalisme, l'indépendance ou autre se déclarent maintenant fervent soutien des extraterrestres. Plusieurs fois des individus qui sont ou étaient sensibles à notre cause ont subi ce revirement soudain. À chaque fois, ils ont coupé tout contact avec nous immédiatement et refusé de répondre à nos demandes d'informations. Il est clair que les extraterrestres ont un moyen d'influencer ou de contrôler les humains qui dépassent tout ce que nous avons actuellement à notre disposition. D'après nos estimations, si nous les laissons étendre leur influence sans rien faire, ils domineront la Terre d'ici quelques années à peine. Leur technique d'influence est la clé de ce conflit. Et il faut dédier toutes nos ressources à sa compréhension. Voilà, c'est la même merde. Nous avons maintenant un début de stratégie à long terme. Nous devons comprendre les moyens d'influencer les extraterrestres dans le but de les contrer. Pour ce faire, nous devrions tout d'abord développer un réseau de surveillance des déplacements des extraterrestres. Voilà, on a des objectifs. Ah, maintenant que les enjeux de ce conflit sont clairs, nous devons décider de notre plan d'action. Nous faisons face à deux problèmes différents, mais tout aussi complexes, l'invasion extraterrestre et la résistance domestique. Nous pouvons terminer le projet, parvenir à nos fins, avant d'avoir accès aux recherches nécessaires. Voilà, il faut que je cherche ce que c'est que les férocytes, un peu plus tard. Alors, j'ai les techniques de purification d'eau, qui sont bien, mais pas indispensables pour l'instant. Ouf. Des dépenses qui sont plus fortes que mes revenus, même en eau. Ça ne m'aiderait pas à choper les autres, parce que j'aimerais bien choper d'autres naves. D'autres missiles. Privilégieux, radiateur, réacteur, hacker solide de niveau 5. C'est pas celui-là. Hop. Quand est-ce que nous... Propulseur pulsar à l'académie. Il faut qu'on arrive à choper le... sur Mars.
4 avril 2027 pour celui-ci. 11 mai 2027. 6 juillet 2027. 4 février. Ah oui, c'est celui que j'avais, pour lequel je m'étais planté. De ressources d'énergie. Alors. Petit citron. Est-ce que je peux voler le pulsar à l'académie? Non, j'ai personne de l'académie. Et ben on va essayer d'aller chercher les gens de l'académie. Pourquoi pas au Royaume-Uni? We'll see what they're up to. Parce que l'académie a un point, il cherche peut-être à me défendre. Dashus, ben tu continues d'essayer de me défoncer les plantes. Heading to the LZ. Attends, je vais mettre quelques points. We're going in. Lending my expertise. Lending my expertise. We've found nothing of note. On commence. Non, bon, fallait pas que je recommence. We've moved the needle. Ok. 2,8. Paix. Ah, fin de la guerre entre la Russie et la Géorgie. Sur un statu quo, ce qui est surprenant. Là, j'ai 30 points. 30 points, et ça me prend la moitié. Je vais peut-être aller chercher mon dernier point en Chine. Est-ce que j'ai pas des trucs sympas? Celui-ci, je peux pas le prendre. Investigation et avec surveillance des lieux. Dommage, je peux pas le prendre celui-ci. J'ai rien au Japon. Assassination, augmentation de l'agitation, coup d'état. Qu'est-ce que c'est, naze? Défense de l'intérêt, prise de contrôle hostile. Ouais. Ça, c'est pas terrible. Plus de projets, c'est pas mal. Ah, bah là, c'est quand même mieux. La vache. Plus 2 d'investigation, plus 3 d'espionnage, plus 20 de salaire mensuel, 3 missions supplémentaires. C'est pas la même, hein. Je la mettrais bien sur la cocotte, celle-ci. Valhalla Interactive. Il faudrait que je libère 2 places. Enfin, 3 emplacements. Ça, je peux le mettre ailleurs, ça aussi. Celui-ci. Je garde la persuasion. La persuasion, je pourrais le mettre. Ah oui, non, il faut que je le garde pour pouvoir avoir. Enfin, quoi que, contrôle de nation. Je m'en fous un peu, en fait. C'est pas elle qui me fait le plus de. Donc je vais enlever les 3 à 1 étoile. Et je vais lui donner Valhalla Interactive. Euh, 21 sur 21, mais j'en ai qui m'intéresse beaucoup moins. Celle-ci par exemple. Donc là, je peux mettre ça. Toi, t'as tout ce qui est persuasion. Ah oui, mais t'es... Ah bah c'est bon, je peux t'augmenter ton admin. Et te mettre celui-ci. Ici, commandement science, je vais garder. Toi, c'était vraiment celle qui me sert quand j'ai pas quoi faire mon truc. Le plus un de... Je vais faire ça. Je préfère ça encore. Ok. Bon,
Bon, allez, je vais aller choper mon dernier pain en Chine. Reporting in. Avec monsieur, 61% de chance, 89% avec 16 d'influence, ça me va. Dashus, Lyon encore. Heading to the LZ. Hop, toi on avait dit que c'était pas une bonne idée de continuer d'enquêter sur lui. Chez qui je vais enquêter? Ouais, je vais continuer d'enquêter ici. Hop. Surveilling target. Ready for orders. Ok. I will help them. Alors, déplacement extraterrestre en favori. Réseau d'écoute mondiale, plusieurs investigations lorsque nos conseillers détectent les extraterrestres, c'est bien aussi, ça permet de les enfermer plus facilement. Il faudra que je le fasse tôt ou tard. We've got some intel on our target. Alors, l'humanité, un évangéliste de l'humanité, ouais. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Ah. Collecteur solaire, oui, c'est celui qu'il faut que je détruise. On va éviter de dépenser. Hop, désactiver le module. By the numbers. Hop. Il ne sert vraiment à rien du tout. Alors là, on voit un truc qui n'apparaissait pas avant. C'est la menace extraterrestre. Et voilà, je contrôle toute la Chine. Et ça, c'est drôlement bien. Priorité, hop. On développe. Ah ouais, ça rebaisse là. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait baisser? La collision augmente. Normalement, les priorités savoir, ça devrait faire la faire revenir vers le milieu. Ah oui, mais elle diminuera rapidement si les inégalités d'une nation sont à un niveau très élevé. Donc c'est ça, il faut pas garder les inégalités trop hautes, sinon la cohésion part en cacahuète. Et voilà, alors il faut que je sécurise mon dernier point. I'm here. Et on est parti ensuite. Tiens, est-ce que je pourrais pas échanger des trucs avec l'humanité? Initiating contact. Where do you need me? Dashus. Taking it to them. J'ai des points. Going in hot. Offering counsel. Offering alors, counsel. We'll open a channel. Propulseur pulsar, ils l'ont tous, c'est pas moi. Hein. C'est dégueulasse. Meanwhile, we will save the world. C'est vraiment trop injuste. Qu'est-ce que t'as, toi? Je vais faire une petite pause, le temps de regarder tout ce qu'ils ont. Ok, ils sont durs en affaires. Autant dire que donc, j'ai cette organisation-là qui est plutôt sympa. Un échange équitable, le mec, je lui donne 5 organisations, il m'en donne une. C'est hyper équitable. Il y en avait une autre qui m'intéressait, mais vraiment, c'était trop cher. Enfin, j'arrive même pas à l'acheter. Hop. Securing our control. Alors, du coup, module de construction, ça fait partie des favoris à mettre en place. Donc, toi qui me donnes un point de mission de contrôle en plus, je vais t'installer chez qui je peux.
Je peux, j'ai pas grand monde. Ça, ça te donne de l'espionnage. Chez toi, par exemple. Hop. Chez Dachus. Ouf, j'avais pas vu ça. Ah ouais. J'ai encore été un peu gourmand. Oh la vache. Lâche l'affaire, quoi. Hein? Lâche l'affaire. Et ben on va aller sur les objectifs de... Les objectifs de pour faire avancer la partie, hein, la campagne. Target still in one piece. Oh merde. Ouf, faut que j'aille dépenser vite mes 20 points. Where do you need me? Standing by. Ah mais ça veut dire qu'en fait il faut que j'arrête de conseiller. De toute façon je vais arrêter de. Protecting our interests. De faire du conseil. Que je peux pas aller voler le prix, le projet. Ce serait tellement plus simple. Avec Dachus. Dachus tira t'attaquer aux plantes plus tard. Tapping their knowledge. S'ils veulent pas donner gentiment leur. Projet, on va aller le leur emprunter. Toi, je vais aller te replanquer. Going into hiding. Adrien, where do you need me? Tu vas faire de la pub en Corée. Making our case. Offering assistance. Making things safe for our people. Initiating deep cover. Propulseur Nerva avancé, je m'en fous. Je vais sans doute jamais le rechercher. Module d'habitat terminé. Youhou! Sauf que j'ai pas d'énergie. I think I found something. Et ben voilà, propulseur pulsar. Il suffit de le demander. We're winning their hearts and minds. Recommencer, continue. Ouais, tu peux continuer. Le rover, je m'en fous. Oh la vache. L'académie, elle s'est fait plaisir en Chine. Je vois que je commence à avoir un peu d'agitation. C'est quoi, c'est du commandement. Toi, t'as un. Ready for my mission. Commandement 4, mais tu veux pas le faire. Toi, mais tu fais de l'assaut de plantes. Gear up. Your orders. Toi, t'as 0 en commandement, c'est bien. Acknowledged. Toi, t'as 4 en commandement, et donc c'est toi encore qui est le mieux placé pour le faire. On va mettre un peu de points. We'll restore peace to this nation. Where do you need me? Standing by for orders. Bien.
Lâche l'affaire. Lâche l'affaire, même quand tu contrôles complètement le pays. Avec 8 de persuasion, ce qui est pas mauvais. C'est juste ingérable. Qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis ? Acknowledged. At your service. Targeting their assets. Ready for my mission. Toi, tu vas aller en cachette terrestre. Going off the grid. Hunkering down. Person of interest surveilled. Alors, l'humanité encore. It is tempting to think of our expansion. Recherche spatiale spécialisée. Très bien. Utilisation des ressources in situ. Qui est plutôt sympathique quand on commence à se développer. Hein, les coups de chance, c'est bien sympa. C'est ce qu'on a eu sur la Lune hein, au précédent épisode. Système de fission à cœur liquide. Les camps. Hop, on va aller chercher les camps, on va aller chercher le niveau 2 des bases. Ou la cybernétique. Non, on va aller prendre de la cybernétique. Qui va permettre de dépenser nos sous de façon très utile. On va mettre des implants sur nos conseillers. Alors, bah tu vois, Théa, justement, Théa surveillance, c'était ce que je voulais. Et pouf, j'ai chopé 50 PO en plus. 50 thunes. 50 dollars. Euros, ce que vous voulez. Order is returning. Hop, tu m'en fais un autre. The LZ is secure. I'm here. Non, du coup, ça va être Dachus qui va me faire la stabilisation en Chine. C'est quand même plus facile que pour Adriel qui va me faire de la pub. I'm here. Citron, tu continues d'enquêter. Donc c'est bon, je l'ai pris le projet Pulsar, donc j'ai pas besoin en fait, de continuer d'enquêter sur l'académie. What's the op? Acknowledged. Et toi, bah comme d'hab, j'ai pas grand chose à te faire faire. Retourne te planquer. Going off the grid. Ready to go. Et toi, j'ai pas grand chose à te faire faire non plus. Quand j'ai pas d'influence, c'est un peu chaud. Sabotage de projet. I'm going in. Des fois que sur un malentendu, ça peut passer. Initiating deep cover. 0%. Annuler la mission. Mission aborted. Mission is a no-go. Oh, saleté. Yes! Et là, pouf, immédiatement, ça y est, je suis dans le vert sur toutes mes ressources. Parce que j'ai terminé d'approvisionner en électricité. La base de Soto sur Prometei Terra. Et donc, j'ai mon complexe minier qui est efficace désormais. Et ça, c'est quand même carrément cool. C'est carrément cool puisque bah, ça me fait récupérer plein d'eau, des explosifs, des métaux. Alors, c'est pas ouf hein, comme valeur, mais bah, c'est un début.
C'est un début qui va, qui ne fait que commencer. Donc maintenant que je commence à en accumuler, eh ben je vais. Things are stabilizing. Le succès critique, c'est bon. The people will come to our side. Je vais pouvoir plus facilement me développer dans l'espace. Alors, sachant que ma limite maintenant, ça va être le contrôle de mission. Donc, je disais, au début, la limite, c'est le boost. Parce que bah, c'est ça qui va te permettre de partir sur Mars, qui va te permettre de partir sur la Lune. Mais à partir du moment où tu commences à avoir des matériaux spatiaux, eh ben, tu as, on va dire, presque plus besoin de rien. Je peux vous montrer d'ailleurs. Ouais, j'ai détruit mon collecteur solaire. Emplacement. Mettons que je veuille m'installer. Quels sont les emplacements un peu intéressants en matériaux? Alors là, il y a de la flotte. 58. C'est le plus élevé. 58. En explosif, 22,6. J'ai un 31 ici. Par contre, les métaux de base, c'est pourri. Il y a quelques métaux nobles. Mettons que je vais y aller là. Ça m'a l'air pas mal. Dans ceux qui sont disponibles, ça m'a l'air d'être la meilleure. Donc, si je veux fonder un avant-poste... alors, ça fait toujours beaucoup... Ça fait toujours beaucoup. Je peux que l'envoyer depuis la Terre. Il peut être livré par une fusée provenant de Terre ou par un habitat disposant d'un module de construction dans le même système planétaire. D'accord. Donc il faudrait que j'installe en orbite un habitat qui, avec un module de construction que je peux rechercher désormais, mais que je n'ai pas encore débloqué. Donc pour l'instant je peux pas. Moyennant quoi, je vais quand même peut-être me le réserver cet endroit. Et on va faire ça. Hop. Et si je le gère, donc là, complexe mini d'avant-poste. Construire dans l'espace. Voilà, si je veux construire ça dans l'espace, et ben ça ne me coûte zéro boost. Parce que j'ai tous les matériaux. Déjà disponible, 2,3 d'eau, je les ai, 2,3 d'explosifs, je les ai, 18,5 de métaux de base, je les ai, et 0,23 de métaux nobles, je les ai aussi. Et alors, bon, ça reste long parce que c'est un complexe minier d'avant-poste, mais c'est quand même moins long que les 200, c'était plus de 300 jours précédemment. Et la pile de fission, par exemple, celle-ci. Ah, alors là, typiquement, il faut certainement que j'envoie des métaux nobles. Je pense 0,2, ouais. Alors, je vais annuler l'achat, on va attendre un tout petit peu. Et puis j'arrêterai l'épisode après. Je vais faire mes affectations. Je vais attendre d'accumuler un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus de métaux nobles. Et on va voir que bah, ce sera quasiment instantané. Sur qui je vais enquêter? Tac. Tracking target. Sur le premier aux États-Unis. At your service. Là, je vais faire le deuxième aux États-Unis. Surveilling target. Toi, standing by. Tu t'es planqué, mais il était déjà repéré, quoi. Tac. Tu vas aller en Corée du Nord, même si t'as peu de chance. We must persuade the people. Et toi, pareil. Hop. Ce sera mon prochain objectif de rechoper la Corée du Nord. I will try to sway the public. Hop. Voilà, donc on va y retourner. Je sais pas combien il en faut. Encore une fois, ça fait partie des fois assez importants. Continue. Surveillance complete. L'académie.
Inutile. Person of interest surveilled. Projet Exode. J'ai pas trop de projet Exode. Hop. Alors. Tiens. Bah non, j'ai une bêtise. Pourquoi est-ce que c'est 237 jours? Ça me semble bien beaucoup. Si je construisais par exemple un collecteur solaire. C'est bizarre parce que c'est toujours 0,2 ici. Ah mais si, je sais pourquoi. C'est que c'est les 237 jours du cœur d'avant-poste. En fait, il sortira en même temps. Voilà, 15 novembre pour les deux. 15 novembre 2027. C'est évident. En fait, c'est pour ça que on voit pas bien. Mais bon, ça ne me... Je n'aurai à l'entretenir qu'à partir du moment où il sera online. C'est-à-dire quand le cœur de base sera disponible. Our case remains unheard. Et voilà. Bien. Je vais arrêter cet épisode-là. On est de nouveau dans le mal en influence. On va devoir essayer de faire en sorte de restabiliser les choses tôt ou tard. Choper un peu d'admin. Non. Je peux choper. Oh, c'est bien ça. Ah oui, mais ça demande de l'influence que je n'ai pas. De toute façon, toutes ces organisations demandent de l'influence, donc c'est vite vu. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe si vous souhaitez que je renomme l'un des deux conseillers disponibles. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.